Aujourd'hui, on va essayer de travailler ensemble l'examen de lecture-compréhension du deuxième semestre, niveau 5e année. D'abord, on va lire le texte. Rachid est un petit garçon aux cheveux noirs bouclés et aux yeux clairs, de grands yeux pleins de lumière et de malice. Dès qu'il rentre de l'école, il jette son cartable et il allume la télévision. Il mange son goûter devant le petit écran. Quand il renverse sa tasse de chocolat, il ne bouge pas. Il ne détache pas ses yeux des images. Sa mère a beau l'appeler sur tous les tons, il ne répond pas. Il n'entend pas. Il n'est pas là. Fasciné, ensorcelé, Rachid est dans la télé. Il n'obéit plus, ni à son père, ni à sa grande sœur. Tous sont fatigués de lui faire des reproches. Daniel, sa maîtresse d'école, pourrait l'empêcher de regarder la télévision. Mais elle n'habite pas avec lui. Il la craint parce qu'elle est belle. Heureusement, Rachid est intelligent. Il peut faire ses devoirs en regardant une série américaine ou en jouant avec le feu joue, le jeu fou. Mais parfois, il confond les questions du jeu et celles de sa maîtresse. La voix de l'animateur et les appels répétés de sa mère. Alors, tout se mélange dans sa tête. Et il en perd le sommeil. Catastrophe, la télé tombe en panne. Malheureux et triste, Rachid tourne en rond dans l'appartement. Il essaie de réparer l'appareil, en vain. Il demande à sa mère s'il peut aller chez les voisins pour regarder la télé. Mais les voisins sont absents. Première question, je réponds par vrai ou faux. Rachid n'aime pas la télé. Rachid obéit à ses parents. Rachid obéit à sa maîtresse. Je relis le texte pour trouver les réponses. Alors la réponse, Rachid n'aime pas la télé. C'est faux. Rachid obéit à ses parents. C'est faux. Rachid obéit à sa maîtresse. C'est vrai. Deuxième question, je coche la bonne réponse. Rachid obéit à sa maîtresse parce qu'elle le punit, est belle et gentille. On cherche toujours la justification dans le texte. On cherche dans le paragraphe où on parle de la maîtresse. Daniel, sa maîtresse d'école, pourrait l'empêcher de regarder la télévision. Mais elle n'habite pas avec lui. Il la craint parce qu'elle est belle. Il la craint veut dire il est intimidé par sa maîtresse. Alors il la craint, il est intimidé, il l'obéit. Parce qu'elle est belle. Alors la bonne réponse ici, Rachid obéit à sa maîtresse
parce qu'elle est belle. Troisième question. Je relis par une flèche avec la bonne explication. Rachid est dans la télé. Il déteste la télé. Il ferme la télé. Il ne peut pas s'éloigner de la télé. Alors, d'après tout le texte, Rachid ne déteste pas la télé et il ne ferme pas la télé, mais il est toujours devant la télé. Alors, la bonne réponse, il ne peut pas s'éloigner de la télé, alors il est dans la télé. Alors, c'était des preuves d'examen de lecture compréhension du deuxième semestre, niveau 5e année. Vous pouvez visiter la bibliothèque numérique sur notre site web www.sabula.net et vous allez trouver tous les examens. Ou vous pouvez nous contacter sur ce numéro 76 626 223 76 626 223.